Erreur de l'Angoulap. Erreur de l'Angoulap. Erreur d'Angoulap. Erreur d'Angoulap. Appelez-moi Erreur d'Angoulap. Oh, la bêtise. La bêtise de la bêtise. Maman. Oh, la jalousie. Oh, oh la jalousie. Oh, oh les wawes sont oh. Oh, oh. Regarde cette vieille chose, c'est Erreur Angoula. Mon père était commandant, ça n'a rien à voir avec mes pieds. Mon beau-père était commandant. Mon père était commandant de la sécurité nationale à Yaoundé. Ça n'a rien à voir avec mes pieds. Mes pieds ont beaucoup marché. J'ai mis des talons, mes pieds se sont déboîtés. Et à quoi? Tu n'as rien contre moi. Tu n'es qu'une sale villageoise, une envieuse, une pourriture. Hein? Tu me trouves dans le problème avec Varsobo. Ça devait être ton problème. Tu la connais où? Tu n'as rien contre moi. Tu es jalouse de moi. Oui. On m'a acheté. Ma poulet m'a acheté le truc. Elle a acheté que oh. Achète ta part, tu en vois, non? J'ai un nouveau micro-ondes. J'ai un nouveau micro-ondes. J'ai un terrain de ma canne. Maman, c'est un cadeau. Paye ta part, tu me donnes, non? Je ne te dois rien. Rien. Et Rangoula, je ne te dois absolument rien. Tu entends, non? Je dis bien rien. Oui. N'est-ce pas, tu as écrit que tu m'as bloqué. Apparemment, tu m'as bloqué à Facebook. Hein? C'est toi-même qui écris que tu m'as bloqué. Mais je suis étonné que chaque fois que tu mets quelque chose, tu es là. Qui suis alors l'autre? Hein? C'est toi qui me suis. C'est toi qui me suis, mais c'est vrai. Mais où est-ce qu'on met les cœurs? Hein? Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu vois, je suis une femme. Mais mes soins sont en train de cuire. Oui. Mais mes soins cuisent, ma. Tu entends, non? Les clients sont en train de manger le poisson baisé chez moi. Et oui. Et là, je n'ai pas encore acheté le poisson baisé. Parce que j'ai sous-estimé les gens qui vont passer chez moi ce soir. Tu n'as rien contre moi. Avant de partir, je dois d'abord. Hey. Ouais. Hey, hey. Ouais, j'avais me dire, on a me dit, oh là, sont tombés. Hein. Je dis, oh, sont tombés. Eh hey, bien, dis donc. Erreur Angoula. L'erreur de la nature. L'erreur. J'aime ça, mon père. Tu sais, placer à ma place, je n'aime pas ça. Comme ça. Donne-moi un petit chardonnay, s'il te plaît. À tout à l'heure, merci. Regarde-moi celle-ci. Tu me veux quoi? Je ressemble à ta putain de mère ou à ton putain de père. Regarde-moi une bâtarde pareille. Ça va? Hey. Ouais, je n'aime pas ma soeur ici. Maman, si ton père ne t'a pas reconnu, hein? Parce que je ne sais même pas. Si ton père ne t'a pas reconnu, moi, on m'a reconnu. Mes pieds n'ont rien à y voir avec mon micro-ondes qu'on m'a offert. Tu es une fois jalouse. Tu me cherches des problèmes depuis. Tu ne m'aimes pas. Je m'en fous de toi. Tu ne vaux rien. Moi, je travaille à mes tâches. Moi, je peux même faire 10 vidéos par jour. Parce que c'est qu'à la fin du mois, je gagne plus d'argent que toi à la poste. Tu entends, non? Pour ces net. Hein? Recette de cadavre, c'est toi. J'ai dit ça, oh, tu vas me faire quoi, sale femme? J'attends quoi de toi? J'attends quoi de toi? Si on te parle, quand on te demande que tu ne connais pas ce mot, tu vas dire que quoi? Tu entends mon problème, tu es déjà assis sur ça, tu me suis que tu veux insister autant que tu veux. Et les petites sales prostituées qui commandent là chez elles, là, elles sont comme toi. Des envieuses, des incapables qui ne peuvent rien faire dans leur misérable sale vie. Tu entends, non? Le problème, c'est va se retourner entre toi et moi. Je n'ai même pas peur de toi. Il y a de manière. Regarde-moi une junkie pareil. Tu sais à quoi tu ressembles? L'air de choses me bim, coupe, me bim, nous, la famille, je suis salope, pétasse. Tu es jalouse de moi. Je ne vois pas les commentaires, pourquoi? Il y a même personne qui me met des cœurs. Je viens de finir l'émission, là, je viens respirer un peu. Avant de recommencer, encore aller au fourneau. Oh, tiens. Oh, non.
La musique, si. Ouais. Je ne comprends pas pourquoi. Tu me détends un peu. Sauf que depuis le matin, là, je suis au four. Non, depuis le matin. Tu exagères. Le cul de ta sœur chienne de même, on dégage. Bec, bec, bec. Et là, nous aussi, là, sale pute. Une imbécile, moi, elle me bave comme ça. Donc, elle m'insulte partout. Comment vous me causez la gueule, hein? Mais dis-moi, coupe, il y a une manière. Tu vois, c'est pas maman, moi-même, j'ai changé un peu. Hein. J'ai choisi d'être noir, oui. Toi, tu es noir, regarde comment tu es laide. Regarde-moi la sale chose aussi, il va te laver tous les jours dans ça. Hein? Comment les sales gens, tu exagères. Donc je vais laisser que cette chienne-ci, cette arriviste, qui ne fout rien dans sa vie, fait que Congo ça sur Congo ça me parle, au rang de tous, la guerre est lancée entre toi et moi. Oh, Coco, j'attends seulement Coco, je ne la suis même plus, hein. Je l'ai bloqué partout. Mais tu me bloques, et tu es là. Tu regardes ce que je fais. Mais c'est moi qui vais te bloquer. Quand j'aurai envie de te bloquer, tu peux décider que maintenant je te bloque. Tu vas devenir quoi? Tu vas créer un autre faux compte pour aller prendre. Tu vas demander à tes gens. C'est moi qui t'ai toujours bloqué, c'est moi qui te débloque. Là, je suis ta patronne, d'accord? Tu es décidé que je te bloque maintenant là, au rang là. Hein, maman, tu vas devenir quoi? On croit que tes amis sont mes amis. Hein? Qu'on m'offre. On appelle ça comment? Maman, on fait quoi? Un micro-ondes. Comme j'ai fini mes pièces seulement que tu vois. Hein? La honte peut te dire, c'est pas que tu aides les gens, aide-moi aussi, non? Hein? Les gens sont en train de m'aider partout, sauf toi. Il n'y a que toi, les pauvres sales misérables Yaoundé la con. Vous ne pouvez pas aider votre soeur. Une autre femme m'aide, ça commence à jaser des réseaux sociaux. On va faire ça, Dieu. Ouais. J'avais mes 10 euros ici, là, j'ai... Ça, on ira au traiteur après. Je sais pas où j'ai mis mes 10 euros, là. Je n'ai pas perdu l'argent, hein. Oh là là. J'ai perdu 10 euros, ça m'a fait mal. Ah, moi, c'est ici. Ah. Non, non, pas toi. Ouais, j'avais ça. Ouais. Ah ouais. Ah, peut-être c'est la fille. C'est pas grave. Hein? Mmh. Toi et ta fabrique. Hein? Aurore, mais c'est pourquoi? Jean pour moi avec Aurore Angoula. Hein? Demandez-lui, vous qui l'avez regardé, Jean pour moi avec toi. Mais après, avec ce direct, je pense que je vais prendre les mesures radicales avec toi. Hein? Hein? C'est pas que tu peux me bloquer, moi, mais je te bloque. Je te parle pour qui à la fin. Je te dois quoi, j'ai promis avec toi, si tu te regardes. Tu as fait un recette de cadavre. Oui. Recette de cadavre, tu as fait. Où le cadavre, où le corps de Mathilde Brun. On va savoir. Regarde-moi celle-ci. M'imbang, minou et là, m'imbang. M'imbang, minou et là, m'imbang. Avec ton gros cul rempli d'asticots, tu parles à qui? Vous aimez la saleté. Tu connais pas où? Elle va te dire bonjour. Parce que tu te fais nourrir par la misérable sale chose qu'on appelle Michel et Somba. Ça vient sur moi. Un mof. Il me veut. Regarde-moi toutes ces bandes de racas des réseaux sociaux. Les recrues d'amis des réseaux sociaux. Les racoleuses. Elle te doit quelque chose. J'ai dit que Orangula. Appelle la police ce soir. Tu vas voir. Ce soir, c'est la fête ce soir chez moi. Appelle la police. Tu vas aller dire pourquoi tu les appelles. Tu entends, non? Appelle-les. Regarde-moi les salons, une vieille bordel comme ça qui dort sur mon mur. La nuit, tu vas chez Eva à ce moment là-bas, mais il faut le berger. Hein? Une bab de mbap. Oh, yeah. Tout mou. Regarde les femmes-ci. Moi, je les connais où? Hein? Tu sens que je fais ma petite vie, tranquille, je fais mes trucs. Je me rends compte que les poissons manquent encore. Je vais vite acheter mes poissons. Je m'arrête là pour essayer de. De compresser un peu. Vous savez ce que c'est que faire des misunga, hein, servir à bons gens, les gens, ce n'est pas facile. J'ai perdu 10 euros, je n'ai pas fait de 10 euros. Je
faut pas aller au milieu, on va s'en tomber. On va animer Facebook. L'influenceur blogueur d'État. Tu ne connais rien au pays. C'est toi qui. Tout c'est toi qui racle les murs des gens. Tu entends, ça me fait quoi? J'attends les dons des stars. Quand ils vont demander que les stars m'aident, je vais demander, ils vont m'aider. Pour l'instant, je ne demande encore pas. Je ne demande pas pour l'instant. C'est le week-end si seul que je prépare. Je prépare aujourd'hui, je vais préparer demain pour quelqu'un qui va venir manger dimanche. Tu entends, non? J'arrête de préparer, c'est ma dernière fois. Les missions que je fais là, c'est pour mes soeurs et mes gens qui vont venir passer manger. C'est tout. Là, moi, les mbappes comme ça. C'est quoi ma boba? Tu ne peux pas me faire bim. Tu attends pour Angoula. Je suis star. Oui. À tous les niveaux. Tu n'es rien. En tout cas, le Congo, ça. Hein, les commerçants ont dit que. Hein, ma fille. Tu ne sais plus ta fille au sommet. C'est ton ennemi maintenant. Hein, ma fille au sommet a encore fait quoi, hein? J'aimais quand tu m'appelais au sommet. Maintenant, c'est que tu. Non, je ne peux pas être ton ami. Tu es une hypocrite. Tu as fait un recette de cadavre. Ne pas parler de Benjamin. Les pauvres morts des réseaux sociaux. Maman, tu vois quoi comme ça? Ça devient quoi? Tu es parti voler le cadavre de Mathilde Brun là-bas? Tu es venu l'enterrer ici en France? Hein? Restez de. On doit, tu veux toi-même faire la prison? On y a comme ça? Tu es ma soeur, non? Je te connais, non? Les Michel, tu as parlé de Mathilde Brun une fois, mais quand même, tu as quand même fait. Vous avez fait quoi pour ramener le corps de Mathilde Brun ici? Vous avez promis que son fils qui l'a violé là va venir ici? Hein? Tu connais l'autopsie de Mathieu de Brun? Demande à son fils ce qui s'est passé. Elle a coulé le sang partout. Qui est allé dans la chambre? Son fils? Hein? Un fils qui terrorise toute la famille, c'est là-bas que toi tu pars. Et comme ça? Dis donc. Elle est d'abord belle où? Moi, dis donc. Moi, je suis une belle femme, hein. C'est parce que tout le temps, je me néglige un peu, hein. Moi, j'attends de faire mes choses, vous allez me voir. C'est quoi? J'ai le temps. Au Angoula, quand tu étais encore brune, ça allait. Hein? Tu as fui de vieux, bien de 64, 90 ans, là. Tu vas tu prendre un petit jeune au village. Il faut même d'abord le voir. Tu sens deux drogués. Mais attends. Bah écoutez, vous savez, quand elle veut dire qu'elle veut watchiser aussi. Tu ne sais pas quoi, mais tu es laide, tu es moche. La dernière fois, quand j'étais venu dans mon direct maintenant, tu ne sais pas quoi. Eh ben, dis donc. Moi, mieux vaut encore de moi, hein. Pardon, ça va? Hey! 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 Live, là? Oui. Live. Ah, c'est venu ça. Hey, les amis. Regarde, j'ai acheté le micro. Les amis quoi, là, hein? Non, les amis sur Renoir là, on fait la livraison à domicile. Ah bah oui, c'est bien, hein. Juste la livraison, hein. Ça c'est pour quoi? Ça c'est pour les chaussures. Ah, c'est pour les chaussures. C'est juste livraison, il n'y a pas mon ah. Ah bah, tu es sûr? Hey! 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 Je m'en fous que Ray soit belle, on ne peut pas la beauté. Mes pieds sont déformés, oui. J'ai trop porté les talons toute ma vie. J'étais une femme, maman. Tu veux que j'aille encore? Je voulais que j'aille maintenant faire grand. Que je paye 6 mois. Que j'aille opérer mes pieds. Je ne perds rien. Maintenant, elle est compensée. Va voir les pieds des femmes qui ont fait cette vie, maman. Moi, j'ai porté les talons toute ma vie. Oui. Même chez moi, c'était un problème parce que je portais que les talons. Oui, j'ai eu un problème quand j'ai commencé à porter des tenues, des chaussures basses. Oui, ça n'allait pas. Mes pieds étaient déformés comme ça. Oui. Oui. Mes pieds étaient déformés comme ça. J'ai eu du mal à réadapter mes pieds à porter des chaussures basses. Vous savez ce que c'est? Vous ne connaissez pas la vie. Vous ne connaissez rien. Parce que les réseaux sociaux. Orangoula,
Tu t'abats à ton propre jeu. Tu es jalouse de moi. Dieu a Bible à Jové. J'ai un problème avec toi. Eva sera à toi supporter. Maintenant, ce n'est plus Eva. Maintenant, c'est moi. Tu peux faire quoi? Eva, elle n'a pas une grande gueule. Elle n'a pas une grande gueule. Mais regarde-toi. Va mettre mes pieds. Maintenant, c'est que les pieds de la fille du commandant. Ok. Ça, quoi, il voit. J'ai quel âge? Ça, quoi, il voit? Tu vois que je ne veux pas mettre mes pieds parce que j'ai peur de voir Facebook. Les pieds de la canne. Les pieds de la gloire glorieuse. Tu ne me peux pas. Au Angoula, ce soir, je vais taper ta main au sol. Je dis que tu me dis rien, bon. Je te dis. Je dis que fais attention avec ta voiture. Tu vas faire l'accident, tu vas voir. Je te dis que tu vas avoir peur de moi ces jours-ci. Regarde mon une saleté pareil. Et toi, j'ai quoi va y voir avec toi? Je me justifie, mais pourquoi? C'est maintenant, il faut parler. Moi, je parle. Je ne parle pas pourquoi. Quand il ne me justifie pas par rapport à quoi? C'est pour ça que j'ai horreur des gens comme vous. Quand on me fait là-bas, vous n'allez pas dire que pour vous faire ça, vous joyeuse. Non. Maintenant, quand je viens parler ici, il ne te justifie pas. Il va commencer à vous bloquer one by one. Quand j'ai vu des insultes, laissez-moi insulter. Laissez-moi finir avec ces mécréants. Des sales formes de réseaux sociaux. Dis donc. Bonne pour ça. Ah ouais, c'est facile, hein. Je te justifie pas. Pourquoi? Ça vous fait mal, n'est-ce pas? Hein? Les gens qui ont liké le commentaire de Marie Zabari, je vous bloque avant qu'elle. D'accord? Retirez-moi vos commentaires là. Vos likes là. Vous likez quoi sur son commentaire? Vous ne connaissez pas Marie Zabari? Elle peut m'insulter partout, non? Je dis, retirez-moi vos commentaires, vous likez là, vous ne retirez pas, je vous bloque. Tout de suite. Vous êtes malade ou quoi? Excusez-moi. Attendez, madame, la circulation. Ah, je suis désolé. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Je prends mon bouteillage à moi toute seule. Toute seule. Allez. Les deux font combien? Pardon? Les deux font combien? Baguette? Non, les... 17,36. Ça va aller avec ça. On peut voir. Déjà avec ça, ça fait combien? Avec ça, ça fait 22. Et ça? Avec ça. À tout, hein. Ah bon, c'est bon. Bien sûr. Ça, c'est les vacances? Oui, très bien. Ok. Au revoir. Au revoir. Tout ça, les traîtres. Les traîtres, vous êtes les traîtres. Vous les voir comme ça. Là-dedans, elle vient parler. C'est que, l'autre vient dire, tu exagères. Ah ouais. Vous me prenez que les bandes de Mbappé vous êtes. Donc les filles passent leur temps à m'insulter les réseaux sociaux quand je me défends tout seul. Hein, ne te justifie pas. Ne fais pas ceci. Je vais me justifier. Parce que vous aimez les Japon. Alors chez moi, une personne
Quelle tension? La tension de quoi? Va plutôt Dieu dans la fin. J'ai dit que. Hein. Tension de quoi? Ah, moi, je te bannis. On parle pas de fois ici. Imbécile, va. On te dit tension. Soigne. Je vais vous traiter ici ce dernier temps. Ici, on dit oui. Et on est favorable à la veuve joyeuse. C'est fini les conneries. J'ai trop laissé ce dernier temps que les gens viennent me dire n'importe quoi dans mes vidéos. Maintenant, on parle à ma faveur. On dit Ave Elisabeth. Ave veuve joyeuse. Veuve joyeuse a toujours raison. C'est comme ça maintenant. Je vous ai laissé un peu jouir de vos commentaires nauséabonds dans mes pages. Si ça ne vous plaît pas, vous partez. Ce sont les commentaires qui sont. Les commentaires doivent être favorables à la veuve joyeuse maintenant. C'est comme ça. Ave veuve joyeuse. Même les gens comme ça, chaque jour que Dieu a créé, au roi anglais est là. Oh, au roi anglais vient seulement. Oh, dès qu'elle voit que ma part est quelque part, c'est juste toi. Mais lâchez-moi un peu. Tu cherches tellement les vies, tu cherches tellement à créer ta page que tu es sur mes pieds. Même, moi-même, je vais mettre mes pieds tout à l'heure là. Je vais mettre moi-même mes pieds au roi anglais. J'ai honte de quoi? J'ai peur de quoi? Hein? On m'a offert de. Oui? Mon père, je suis la fille du commandant. Toi, tu es la fille de qui? Hein? D'un asticot à un chien. Parce que quand on te voit, tu ne sens même pas une fille bêtise. Hein? Tu ressembles à un porc. Avec ton cou, ton museau, tu es laide comme le porc. Hein? Tu vas prendre la fille de quelqu'un, tu l'as placé à faire que c'est ta fille. La fille, elle te ressemble. Elle te ressemble. Il y a même des enfants, tes seuls enfants, mais tu sais que tu mets à Facebook. Les enfants, mais tu te ressembles un peu. Ta paille, elle te ressemble. Maman, regarde-moi le petit bâtard que tu venais pas nous comme un mari. Il le crache à l'arrêt. Il te chie dessus, la diarrhée. Prop, prop, prop. Tu attends, non? Et là, nous aussi, là. Mais ton gros rempli d'asticot, il y a comme ça. Zayou. Bitoum, nous est là, Bitoum. Tu entends, non? Bitoum, nous est là. C'est qui ça? Ok. Tu viens pas le coup de. Elle va se par rapport à quoi? C'est comme ça que tu as fait avec Mathieu de Pren. Tu es parti parler, tu es parti voler le corps de Mathieu de Pren au Cameroun, tu as ramené ici. Tu connais Eva Assomo où? Elle a trop supporté. Faut voir le sale bâtard de Cameroun Afrique Japan 2. Lui aussi vient parler aussi. Vous la connaissez où? Vous la connaissez? Ah! Ah! Dès que ma part sort, je dis que toi Cameroun Afrique Japan. Parle encore de moi un jour. Je veux prier Dieu pour toi, petit bâtard que tu sois. L'argent que tu gagnes dans ta page, on a vu ton visage un jour. On a vu ton visage un jour. L'argent que tu gagnes, que tu fais le concert des gens, tu es qui, tu es quoi, bâtard? Hein? Les gens qui sont là pour Bolingo aujourd'hui, qui la supportent, demain ils vont encore venir de la stico. Ça fait quoi? C'est bêta. J'espère que tu gagnes l'argent derrière moi. Mes vidéos que tu fais souvent là-bas, tu as les 7000 vues, 2000 vues, parce que tu parlais de moi, on est d'accord? Je te fais quand même manger l'argent, non? Et tu crois que tu vas encore manger l'argent, mon nom? Je dis que n'y a pas la bouche que tu fais. J'entends encore que Bolingo a fait ceci. Je vais fermer tes comptes là, comme on a fait Japon. Mais bienvenue est là, mais tout le monde est là. D'ailleurs, c'est toi encore, hein? Mais bi, on a mais bienvenue est là. Oui, non? Il me bimette. Regarde là. Regarde son visage. Tu vis encore. J'ai vu ton visage. J'ai vu ton truc à la morgue. Hein. Je t'ai vu à la morgue, ma. Hein. Eh ben, dis donc. Donc tu es encore vivante. Dans le vide, Gaïane. Je t'ai vu à la morgue. Eh oui. Donc, quand tu vas dormir cette nuit, il faut bien prier. Tu attends, non? Je te vois accoucher à la morgue. Mais bimine là, la famille Dieu se. Imbécile va. Nya 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 tata va.
Ça va bien. Donne-moi un petit verre. Les gens, les rogodou des réseaux sociaux. Les rogodou. Viens, y'a encore comme ça. Et puis là, moi, viens, 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 Joy. Viens-moi un peu. Merci. Hein. Les deux verres là que j'ai vu tout à l'heure. C'est 20 minutes de vérité. Je ne comprends pas plus rien. Hein. Ok. Les gens veulent monter la page, mais fais les bons directs au rang là. Fais un bon direct. Je dis que hein, au rang là, fais un bon direct. On appelle ça l'acharnement sur une seule personne. Fais un direct sur Ponsi. C'est un tweet. Fais un direct. Je te connais ou je te dois. Hein? Et quand je veux mettre ta photo tous les jours, tu vas devenir star. Ouais. Quel orang, tu veux me faire quoi? À part les papiers collés que tu viens coller dans les réseaux sociaux, tu peux pas me faire peur. Appelle la police ce soir. Tu vas aller attendre comment les gens vont jouer. Les gens vont jouer chez moi. Les gens vont jouer tout à l'heure, d'accord? Star. Elle veut être star. Regarde-moi celle-ci. On te connaît où? Quand on vient que l'autre au Cameroun, tu pars errer derrière l'autre. Tu ne peux même pas, tu ne verras jamais. Il ne marche pas avec les réserves de cadavres, des ossements. Tu vends des ossements humains. Vendez des ossements humains. Tu vas voir comment il va assaisonner les missions tout à l'heure. Que je veux d'abord que les gens viennent. Que les gens vont venir, que j'ai besoin que les gens viennent. Les gens qui veulent que les gens viennent chez moi, ils vont venir. Si ils ne veulent pas venir, ils ne viennent pas. Mais attends. C'est quoi? Ça ne vient mais à quoi avec l'histoire des cuisines ici? Ah. Laissez-moi. Laissez-moi, maman. Laissez-moi comme ça. Ah. Ah. Choupinette, ça va? Ouais, bien d'être duré dans le noir, hein? Mais je ne veux plus m'arriver là-bas chez toi. Parce que ce qu'il y a, certains appels là-bas qui me détestent jusqu'à. Donc, moi, je regarde quand même tes choses, hein? Il faut savoir que quand tu en dirais, quand tu fais tes directs, je suis déjà le noir, hein? J'ai ri parce que quand il veut venir mettre un cœur, il y a des gens qui vont me faire comme si. Il faut dire à tes gens qui te suivent, Choupinette, qu'elles ne sont pas ma foi, elles ne sont pas toi. Toi, au moins, tu as su. Fais des directs dans le noir, ta page est monétisée, tu gagnes bien ton argent, mais tu gagnes pas des étoiles. Que celle qui vient faire le moumou dans ta page, là, parler là, ne sert à rien. Donc sache que si tu as ton direct dans le noir, quand je finis mes directs, regarde, hein. Aujourd'hui je vais dormir tôt, pourquoi? Parce que comme je me suis réveillé à quelle heure? Je me suis réveillé à quelle heure, mes waros? Dites-moi. Je me suis réveillé très tôt aujourd'hui. Je ne me suis pas réveillé tout vers midi. Après, ma soeur est venue. On a un repas. On sort, on boit, on fait ceci. Je prépare. Après je, il faut que je me détende un peu. Non, je viens. Elle sait que je suis dans ses directs. Je suis là. J'ai beaucoup de comptes, mais vous connaissez à tous mes comptes. Il y a bien certains comptes, même que je ne sais même pas si je peux encore vivre là-bas. Valérie Bonimo. Donc, non, je viens. Je ris souvent jusqu'à. C'est même chez toi que j'ai appris l'histoire de Nono Fodja, qu'elle a insulté Papa Fodja. Elle a insulté le papa de père de Papa Fodja. C'est chez toi que j'ai appris. C'est toi qui as dit. Donc j'ai raté des choses comme ça avec mon histoire de Asticosi et tout ça. Donc
Il faut d'abord que je règle ça d'abord. Il faut d'abord que je règle mon histoire d'asticot avant de venir et tout ça. Donc voilà. Ouais. Quelle la peine. Depuis là, je n'ai plus les problèmes avec mes voisins. J'ai ma voisine qui est en bas. Après tout à l'heure, je dis, ma, tout à l'heure, là, il y a mes soeurs qui vont venir. Si c'est un peu bruyant, hein, viens me dire, maintenant, c'est comme ça. Tout à l'heure, la menace, c'est que quand il y a la fête dans les meubles, nous, tous, on invite les gens, on donne on nous envoie des parts de gâteaux. Maintenant, moi, ici, mon immeuble, il y avait moi, avec mes gens, je suis dans le calme avec eux. Quand ils n'ont pas de connexion, ils viennent prendre chez moi. Quand je n'ai pas de connexion, ils prennent chez eux. Ça se passe maintenant comme ça dans les meubles, là. Oui. Donc, maintenant, on vit en famille. Donc, les gens qui vont croire que tout le monde voit comment ça se passe dans mon immeuble, suis-moi carrément là-bas. Hein? Voilà. Donc, voilà, les gens aussi peuvent se plaindre. Personne ne se plaint plus de moi. Donc, si Orangoula a dit qu'elle va appeler la police, je suis devenu, oh, mais maintenant, pourquoi? Tu appelles la police, Orangoula, j'appelle la police chez toi. Je vais aussi appeler, on va te demander que je te fais quoi? Tout le monde a un problème. Tu as fait un recette de cadavre et je le dis. Et on t'a intelligent, je veux voir. Tu vas prendre la mère de quelqu'un au Cameroun. Tu ramènes ici en France. Les enfants sont là. Personne n'est venu. Regardez même là où Mathieu de Blanc est enterré. Hein? Le même jour, vous êtes parti là, où c'est à Cannes, où c'est où? Qui prend comme les fleurs? Personne. Le même soir, vous étiez en train de boire le champagne dans un petit shop là-bas à Cannes. Où c'est à Cannes? Où c'est où? On vous a dit que Mathieu était originaire là-bas. Son mari était d'Avignon, hein? Monsieur Blanc était d'Avignon. Si Monsieur Blanc lui a mis refuse qu'il ne veut pas le cadavre de sa femme, c'est nous qui allons faire quoi? Les petits arrivistes, ses copines, les copines de Cannes, les copines de machin. Regardez-vous. Tu viens parler d'accueil ouvert ici par rapport à quoi? Qui vient parler d'accueil ouvert ici? Qui a parlé de ça? Qui a dit ça? Hein? Dégage, c'est un bloc, imbécile. Vous venez faire la publicité de qui ici? Vous pétez souvent votre temps avec la femme joyeuse. Ok, ça va chauffer. Ah, c'est qui? C'est Facebook, non? Que j'entends mon nom là-bas. J'ai dit les deux bords là que j'attends mon nom. Un bof. Faites vous pas prendre feu. Je vais oublier mon histoire d'Astigo aussi. Oui. Et que je parle. I am the sûr. I am the moi. D'abord, notre. Notre histoire de veuve va recommencer. Je vais vous raconter une histoire de ce qui se passe réellement. Donc on va parler de tout et de rien, on va même parler du sujet des gens qui hébergent les gens chez eux. Les gens vont appeler, ça c'est une émission qu'on va, notre émission va recommencer bientôt. Je vous avais promis que au mois de septembre, les choses vont changer dans ma vie. Voilà, donc on va faire ça, j'aurai besoin de votre soutien, c'est tout. Ceux qui sont avec la G-Wireuse, vous serez avec moi. N'acceptez pas qu'on vous manque de respect. C'est tout ce genre de phénomènes inexpliqués de la vie. Ça, c'est un phénomène. Elle part, elle atterrit. Elle vous chamboule la vie. Elle parle de vous comme si vous n'étiez rien. Tu as besoin que je parle de toi. Bah, et je le fais. Je le fais. Hein? À part aller créer des faux comptes, que tu fais des faux comptes pour venir me regarder. Tu peux commenter fort sur moi. Tu es une femme, viens commenter ici. Ta photo, tu es belle. Je me demande quand l'homme là te couille, il regarde ailleurs. Parce que je ne sais pas comment il peut faire l'amour avec une femme qui a ton visage aussi. Ma part même encore, ça va. Antiana, regarde-toi. Tes narines sont à couper avec le coup que tu prends. Maman, ça c'est une fille qui prend l'héroïne. Ah bah oui. Tu l'as déjà vu? Ah bah ouais, elle m'a dit, mais attends. Mais tu as quel âge toi? Tu as quel âge? Je suis en train de mettre le doigt dans la bouche comme une petite fille qui suce les pouces et tout. Mais t'as quel âge? Mais ouais, je te jure, non, mais
Tu te vois avec ta capuche là. Tu ressembles à un Mazembe. On y a comme ça. Ok. Donc j'avais fait des choses. On peut prendre une soirée avec ma grande camp chérie. La soirée du 9. Ça vous voulez, j'ai fait des désordres que quoi? Aucun désordre. On ne se déroute pas. Je suis avec un camp. Quand je t'embrasse, hein? Depuis Los Angeles. Et moi, je n'ai plus de Nganda ici. Depuis Suresnes. Là, c'est ici. Trimobé. Mais je dirais non. Bon, direct.